Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la première émission 2022 de Pepito Live. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous ceux qui joignent avec nous, à nous pour la première fois. Et euh, aujourd'hui, nous allons avoir une émission dynamique, une émission informative, une émission euh, amusante pour célébrer ça, la venue de 2022. Donc, euh, les amis, gênez-vous pas pendant le cadre de cette émission aujourd'hui, évidemment, de nous poser des questions de faire vos commentaires et puis d'être interactif avec nous. Donc euh, oui, les temps sont un peu plus difficiles, souvent les sujets sont un peu lourds, mais là nous avons décidé en début d'année cette année 2022 de faire des choses un peu plus amusantes et un peu plus légères, dont le sujet d'aujourd'hui. Mais tout cela ça ne nous empêchera pas de dire aussi les vraies affaires, les amis. Lundi prochain, n'oubliez pas, la première édition 2022 des francs-parleurs avec mon ami Claudio. Et puis la semaine suivante, le 17, si vous ne l'avez pas fait, les amis, c'est encore le temps de vous inscrire. Nous allons faire un jeu vrai ou faux sur le Costa Rica. On vous invite à soumettre votre nom euh, afin d'y participer et puis euh, de vous amuser avec nous. Tout cela, évidemment, dans une perspective d'en connaître davantage sur ce merveilleux pays. Donc, euh, les amis, gênez-vous pas, encore une fois, pour faire des commentaires. Donc, également, on veut en profiter pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Et puis, on espère vous voir ici au Costa Rica, évidemment, très, très, très bientôt. Donc, tout cela dit, aujourd'hui, nous allons parler de faits intéressants, de faits cocasses, de faits amusants. Traitant du Costa Rica. Donc, pour le faire, j'ai décidé de faire appel à une des grandes expertes du domaine du tourisme, de l'histoire et de la végétation, de la nature au Costa Rica. On souhaite la bienvenue à Isabelle Corneo-Gaultier. Isabelle, bienvenue à Pépito Live. Je vais te démuter ton micro. Bienvenue à Pépito Live et bonne année, Isabelle. Oui, bonsoir. Bonne année à tous. Euh... Merci de l'invitation. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mes parents sont arrivés ici dans les années 70 dans un Volkswagen Camper et mon père n'est plus jamais reparti. J'ai eu la chance de grandir ici et puis euh, maintenant je suis guide depuis maintenant 25 ans. Mmh, depuis 25 ans. Puis cette année, Isabelle, maintenant, tu es à Playa del Coco, tu travailles avec nous chez Costaud, tu t'es joint à la famille Costaud pour la prochaine saison. Oui, 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 oui. c'est une belle opportunité. Je suis très contente de faire partie de l'équipe et puis d'avoir la chance de recevoir nos compatriotes et des gens d'un peu partout dans le monde pour partager les, les trésors du Costa Rica. Absolument. Donc, Isabelle, aujourd'hui, nous allons parler de 12 faits insolites, donc des choses intéressantes et aussi à la fois amusantes sur, euh, sur le Costa Rica. Donc, euh, on a échangé, on a partagé des informations et puis nous allons un peu faire le survol de tout ça. Les amis, ce que je veux vous dire également, avant de commencer dans le vif du sujet, c'est qu'on ne veut pas oublier. De remercier nos commanditaires de l'émission. Nous avons deux commanditaires impliqués dans la réalisation de cette émission-là aujourd'hui. On veut les remercier. Euh, donc, nous avons Palo Verde Beautour également, International Relocation Partner. Je m'appelle Marjorie Frey. Je suis la directrice des opérations de International Relocation Park, à l'entreprise de déménagement international. Nous expliquons. Des effets personnels, des voitures, des marchandises commerciales et coréens. Nous avons des bourreaux au Nicaragua, au Costa Rica et au Panama. Muchas gracias. Alors, voilà, encore une fois, merci à nos commanditaires. Isabelle, nous sommes de retour et sans plus tarder, nous sautons dans le vif du sujet. Donc, les amis, nous allons vous présenter une douzaine de points, peut-être treize si on a du temps. Et puis, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des bannières à l'écran, on va vous apporter de l'information. Ce que je voudrais vous dire également, c'est que j'ai mis dans le fil descriptif de l'émission sur YouTube aussi des informations supplémentaires sur plusieurs des sujets que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous êtes curieux, vous allez aller un peu plus en détail dans euh, disons, euh, ces faits insolites-là. Le premier fait insolite aujourd'hui de nous allons parler, Isabelle euh, 01, 0.03 du territoire euh, du Costa Rica. Euh, C'est sa superficie, mais le Costa Rica détient 6 de la biodiversité. De la planète. C'est quelque chose. Oui, alors c'est très surprenant, surtout pour des gens qui viennent de très grands pays comme les États-Unis ou le Canada, d'arriver dans un tout petit pays qui mesure 51 100 kilomètres carrés et de trouver une telle richesse. C'est vraiment une côte riche, hein, comme le nom le dit. Alors, euh, Qu'est-ce qui a contribué à la biodiversité locale? Eh bien, le Costa Rica est situé en Amérique centrale, qui est la partie la plus jeune du territoire américain, qui est le pont qui est venu connecter le nord au sud et qui a permis que des espèces qui y vivaient dans le nord étendent leur territoire vers le sud et des espèces qui vivaient dans le sud étendent leur territoire vers le nord. Et, Très souvent, le point limite jusqu'où ces espèces sont arrivées, c'est l'Amérique centrale. Euh, localement aussi, nous avons une grande diversité de microclimats, euh, une diversité de sols dans lesquels on trouve différents écosystèmes. Hein, et dans chaque écosystème, il y a une diversité d'espèces euh, différentes. Et ensuite, le fait que nous sommes dans les tropiques, la stabilité des conditions climatiques. Et ensuite, l'introduction de beaucoup d'espèces, hein, comme le café et la banane, qui sont aujourd'hui des espèces, euh, nos principaux produits d'exportation, euh, sont des espèces introduites en hein, fin de compte. Alors, c'est parmi les plus importants facteurs qui expliquent la biodiversité locale. Donc, Isabelle, point 03. Euh, de 6%. Donc, est-ce que toi, à ta connaissance, euh, tu sais, comme, comme fait insolite, est-ce qu'il y a d'autres pays sur la Terre qu'avec un si petit espace, a tant de biodiversité? Ouais, mais je ne connais pas trop les chiffres de d'autres régions. Je crois que le Suriname, peut-être, peut, peut, euh, peut euh, euh, arriver à des chiffres assez élevés. Euh, mais euh, peut-être aussi Belize, euh, faudrait vérifier là, mais euh, je pense qu'on est au, au, sûrement au top de, de la liste là euh, comme comme pays divers là, euh, en considérant la grandeur du pays. C'est important de mentionner que 26% de notre territoire est aussi euh, sous une ou autre forme de conservation. Hein. Il y a environ 6 000 espèces sur la planète qui sont en grand danger d'extinction et la destruction de leur habitat est le principal facteur. Alors, euh, c'est important de mentionner qu'on met un grand effort pour protéger cette biodiversité au Québec. Quelle belle présentation, Isabelle. Merci beaucoup. Donc, oh, j'ai mis ce point-là, en fait, au tout début, parce que moi, je crois que c'est très important, les gens qui s'intéressent au Costa Rica ou qui visitent au Costa Rica, qui vivent au Costa Rica, parce qu'il y a tellement de choses qui s'expliquent de la réalité de ce merveilleux pays à cause, justement, de sa géographie. Donc, il faut toujours se rappeler ça, que le Costa Rica, c'est un tout, 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 tout petit pays, en fait, qui est plus petit que l'espace du lac Michigan. Et pour les gens qui vivent au Canada, à peu près l'équivalent de la province du Nouveau-Brunswick. Donc ça, ça couvre euh, Isabelle ce premier point. Le deuxième point maintenant, euh, qui est un peu euh, en fait euh, cocasse, il y a une, une expression <laughs> Isabelle au Costa Rica qui s'appelle la media naranja. La média naranja. Oui, oui, en fin de compte, c'est une expression qui existe ici et dans d'autres pays, de où est-ce qu'on parle l'espagnol? Euh, ça a une origine assez lointaine pour nous. En fin de compte, ça a l'origine dans une œuvre du philosophe grec Platon qui s'appelle le banquet. Et alors, euh, Platon raconte qu'il y a des êtres humains qui étaient ronds. Hein, il y avait quatre jambes et quatre bras. Et puis, ils ont essayé d'affronter Zeus et Zeus les a séparés. Hein, et donc, depuis ce temps-là, ben, c'est des, des êtres qui cherchent leur moitié hein, pour se sentir euh, se complet. Hein, alors, euh, aujourd'hui, ben, c'est l'expression hein, « lorsqu'on a, lorsqu a quelqu'un à côté de nous qui nous complète bien », eh bien, on l'appelle notre « médian orange », notre demi-orange. OK. Donc, euh, c'est quelque chose, euh, Isabelle, euh, à travers le pays, qui est quand même assez fréquent d'utiliser cette expression-là? Oui, 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 oui. Et puis, on Mais... dit que quand deux moitiés d'orange s'unissent, ben, ça fait du très bon jus habituellement. Ok, ben c'est beau ça. Écoute, puis Isabelle justement euh, parlant de moitié d'orange, donc je suis allé l'autre jour euh, sur la plage euh, à Coco avec ma moitié d'orange. Euh euh, euh, prendre une photo euh, que voici. Alors voilà, c'est moi avec euh, Caroline et Buddy, OK, bon, sur la plage. Et puis, est-ce que ça reflète bien, en fait, cette, euh, cette, euh, cette, 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 l'esprit de cette expression-là? Oui, oui, effectivement, très bien. Très bien réussi, bravo. Tu n'as pas oublié tes nouveaux... <laughs> On n'a pas oublié Body. On n'a pas oublié Body. OK, excellent. Donc, c'est une expression qui est colorée. Donc, il n'y a rien de négatif dans ça. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de, de riche, finalement. Donc, vraiment à l'image du Costa Rica, la media naranja, la demi-orange. Euh, Donc, euh, nous allons passer maintenant, sans trop plus tarder, nous allons nous diriger vers le point numéro, le point numéro 3. OK. Le point numéro 3, nous allons parler, en fait, Isabelle, d'une personne euh, que moi, je trouve assez spéciale. Quand on parle de, de faits insolites du Costa Rica, moi, c'est une histoire qui me fascine toujours, qui me fascine encore. Euh, donc, Marjorie Elliott cypher Donc, ça ne sonne pas du tout euh, comme Tico, ce nom-là. <laughs> en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est que, euh, en fait, euh, on a eu... Au Costa Rica, en fait, un président qui s'appelait Daniel Odober Quiroz. Et ce que je vais faire ici, c'est en fait, c'est que je vais monter la photo. C'est le monsieur que vous pouvez voir à droite. En fait, ça portait euh, son nom, euh, l'aéroport de Liberia. Allait jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. On a changé maintenant pour l'aéroport de Guanacaste. Daniel Odober Quiroz. Daniel Odober Quiroz. En fait, euh, lorsqu'il était jeune garçon est euh, venu, en fait, euh, ou est allé, finalement, au Canada, au Québec, faire des études en philosophie à l'université McGill de Montréal. Et quand euh, Daniel odeburg Quiroz faisait ses études euh, à Montréal, il a rencontré cette jolie, charmante demoiselle qui s'appelait Marjorie Elliot Seifer. Donc, le couple sont devenus... Euh, des demi-oranges, ok, et ils sont tombés en amour. Et puis par la suite, Daniel s'est rendu à Paris pour faire des études en philosophie. Le couple euh, s'est marié à Paris, euh, à l'ambassade du Canada à Paris. Donc, Marjorie étant fille d'un diplomate, Daniel Odober également impliqué dans la diplomatie, se sont mariés à l'ambassade du Canada euh, à Paris. Et puis par la suite, le couple, <laughs> l'orange complète, est revenu au Costa Rica. Et puis, évidemment, Daniel O'Dober s'est impliqué dans les affaires. Daniel O'Dober s'est également impliqué plus tard euh, en politique. Et puis, évidemment, est devenu le président de la République. Donc, euh, Marjorie Elliott, en fait, euh, est cette Canadienne qui est devenue, en fait, euh, première dame du Costa Rica. Euh, donc, euh, une jeune dame d'Ottawa qui avait rencontré son prince charmant, évidemment, à l'université. Donc, euh, Marjorie est une personne qui a été euh, pas beaucoup impliquée euh, dans, dans le spotlight politique, mais c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué euh, à l'état social du pays. Donc, un des objectifs de Marjorie, euh, évidemment, c'était euh, de promouvoir l'apprentissage de la lecture euh, et des connaissances. Donc, Marjorie, comme vous pouvez le voir à l'écran, pendant le mandat de quatre ans de son mari comme président, elle a visité à travers le Costa Rica 1300 écoles dans des régions développées, des régions non développées du pays où elle a favorisé et appuyé et réalisé l'ouverture de bibliothèque scolaire et de bibliothèque locale. Et on dit que Marjorie était tellement euh, passionnée par euh, cette mission-là qu'elle s'est donnée, qu'elle l'a fait en fait jusqu'à jusqu la veille de la dernière journée du mandat euh, de, euh, de son mari à la présidence du Costa Rica. Euh, Marjorie donc euh, voici une autre photo euh, en présence justement d'enfants en train de faire euh, la lecture. Donc c'est un fait euh, insolite, un fait cocasse assez intéressant sur sur euh, sur l'histoire du Costa Rica qui nous touche nous particulièrement euh, évidemment les Canadiens. Donc euh, maintenant dans le lien que euh, j'ai mis dans le descriptif YouTube OK, les amis, vous pouvez aller voir, j'ai davantage d'informations sur Marjorie. Et également, euh, j'ai discuté en fait la semaine dernière avec une de leurs filles, euh, Anna Maria, qui en fait euh, est en train de rédiger un, un nouveau blog, une nouvelle page web où en fait elle fait euh, euh, l'état de la réalisation de son père et les, les réalisations de sa mère. Euh, donc, euh, Anna-Maria, qui est maintenant euh, une diplomate représentant le Costa Rica à l'ambassade euh, du Costa Rica aux, aux Pays-Bas en Europe. Donc, c'est une histoire sur laquelle, à un moment donné, pendant l'année, j'ai l'intention d'y revenir et de refaire le point sur, euh, sur les réalisations de cette euh, famille-là. Ça étonne beaucoup de gens, ça, euh, Isabelle. Oui, oui, moi, qu'est-ce qui m'a étonné beaucoup quand j'ai lu sur, euh, sur le président Daniel Udober, c'est qu'effectivement, il a beaucoup travaillé pour le développement du Guanacaste, pour la construction de l'aéroport. Et euh, en fait, son cœur a été enterré à un côté de l'église de Libéria. Exactement. Très, 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 très au bon point. Donc, son corps est à San José. Mais son cœur, euh, évidemment, évidemment, tu as bien raison, à euh, l'Iberia. Et puis, en fait, euh, Daniel O'Dober, en fait, est reconnu comme étant le président qui a mis le Guanacaste sur la carte, comme on dit justement. Euh, donc, euh, c'est un personnage très, 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 très important ici. C'est des gens qui ont aussi fait beaucoup pour le développement, euh, le développement de, de, de l'éducation, le développement rural et tout ça. Donc, un sujet sur lequel on va définitivement revenir. Donc, Marjorie euh, Elliott Seifer, euh, qui en fait était aussi branchée à une famille de diplomates très, très, très important. En fait, son frère euh, était aussi le directeur de la plus grande firme d'avocats, au Canada, qui est encore aujourd'hui la plus grande firme d'avocats euh, au Canada. Donc, euh, si vous êtes euh, des curieux euh, de l'histoire, vous pouvez euh, retourner faire euh, un petit euh, coucou sur ce sujet-là. Donc, euh, on passe au prochain sujet, euh, sans trop plus tarder. Ah, <laughs> ça, c'est un sujet que moi, je trouve absolument des plus intéressants. Isabelle, des, des iguanes avec deux bips censurés. <laughs> Bip censuré de, des iguanes avec deux bip censurés mais de quoi ils parlent Pépito, exactement ben en fin de compte un fait que, qui te surpris quand c'est le fait que les iguanes ont deux hémipinis qu'on appelle ah. et c'est pas rare en fin de compte c'est assez commun dans les espèces qui appartiennent à l'ordre squamate. Hein? Et puis, donc, on, on retrouve le la, la même, la même phénomène chez certaines espèces de, de couleuvres et d'autres espèces de lézards comme les anolis Et alors, on croit que c'est, même si c'est des reptiles et qu'il y a beaucoup de, de leurs parties qui n'ont pas évolué, en fin de compte, le hémipénis peut être une partie très euh, évoluée, en fin de compte, un organe très évolué. Euh, des fois euh, durant les périodes d'accouplement, euh, ça peut la chose peut se compliquer, peut avoir plusieurs mâles euh, qui veulent accéder à la femelle. Et puis euh, avec les émipénis, ben ils peuvent se positionner soit d'un côté ou soit de l'autre. Euh, pour euh, faciliter l'accouplement et, et passer le, leur gène. Hein? Alors, tout pour la, au nom de la reproduction, en hein, fin de compte. <laughs> puis, en fait, puis dans la bannière qui est en fait en bas de l'écran maintenant, parce qu'en bas de l'écran, on vous donne des petites informations supplémentaires de plus aujourd'hui. Donc, ben, je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question, Isabelle, est-ce qu'il peut utiliser les deux en même temps? Donc, euh... la bannière dit que non. Non, ben c'est ça. Ben vous googlerez là chacun euh, à, à votre guise. Mais en fin de compte, c'est ça, c'est la position. Si s'il si accède à la femelle du côté droit ou du côté gauche, ben il peut euh, euh, voilà, il y, a, il y a cette flexibilité, disons, d'utiliser le côté qui qui va faciliter la chose en fin de compte. Bon, bien, c'est un fait, en fait, euh, un fait euh, insolite, assez amusant. Puis, il n'y a pas juste euh, les iguanes, Isabelle, en passant. Non, 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 c'est ça. C'est de l'ordre des squamates, une ordre qui appartient à, aux reptiles. Et puis, euh, et donc, c'est même assez commun, en fin de compte. Bon, OK. Donc, euh, c'est beau. Donc, nous allons maintenant procéder, en fait, euh, au prochain au prochain point. OK. Le Costa Rica, Isabelle, bon, il y a beaucoup de gens, euh, je pense qu'on peut être déjà entendu parler de ce point, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas fait, mais moi, je crois que c'est un fait quand même important, un fait insolite, un fait intéressant, très important, très révélateur égale, également sur ce merveilleux pays, qui en étonne plusieurs, c'est que le Costa Rica, en fait, est un pays sans armée, non à l'armée. Oui, alors tout au long de notre histoire, euh, euh, il y a toutes sortes de petits détails qui euh, vont nous différencier d'autres pays de la région et qui vont contribuer à qui nous sommes aujourd'hui comme, comme pays. Euh, L'armée a été abolie en fin de compte en 1948 et après... Que le président de l'époque ne voulait pas respecter en fin de compte le résultat des élections hein, et donc a essayé de, de faire un, un coup en fin de compte. Et à ce moment-là, eh José Figueres Ferré est rentré dans, le, dans, dans, le, 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 dans la scène et, et a amené une petite armée. Une, il y a eu une petite guerre civile qui a duré environ euh, cinq semaines qu'il euh, y a eu quand même euh, 2000 morts, euh, mais après cette courte guerre civile, et eh bien on a décidé d'abolir en fin fait, de compte Figueres. Un, Quelqu'un a conseillé à Figueres d'abolir l'armée et comme ça s'assurer qu'on ne souffrerait jamais de dictatures militaires qui sont quand même assez communes en Amérique latine. Et euh, qu'est-ce qui est bien, c'est que l'argent qui était dépensé dans l'armée est investi depuis dans les soins de la santé et l'éducation. Et ça contribue vraiment à, à, à notre qualité de vie aujourd'hui. Euh, ça, ça fait une grande différence, en fin de compte. Absolument. Donc, ici, Isabelle, on va justement montrer euh, une photo euh, qu'on peut voir. Ici, euh, c'est la, 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 -ce la, la, la destruction des, des baraques militaires. C'est bien ça, le 1er oui, décembre 1948. C'est un, un morceau de mur, en fin de compte, de la caserne Bellavista, si vous allez à San José. C'est où est situé le musée national en ce moment et c'est là a été la, la, Il y a une plaque en fin de compte qui, qui commémore le fait et, et c'est vraiment un, un grand orgueil pour nous de savoir qu'aucune mère costaricienne devra, devra voir son enfant devenir un, un soldat. En fait, euh, puis souvent les gens, Isabelle, vont poser la question, mais qu'est-ce qui arriverait euh, finalement si le Costa Rica recevrait euh, une attaque? Puis dans la bannière, justement, qui est à l'écran euh, dans le moment, euh, dont on dit qu'en cas d'agression, le Costa Rica, qui est membre de l'Organisation des États d'Amérique, euh, recevrait, euh, suite à des ententes qui ont été établies, l'appui des autres pays membres, dont le Canada, les États-Unis euh, et d'autres pays encore. Oui, bien tout comme on a eu des ex-premières euh, dames canadiennes, américaines, on a des bonnes relations avec à peu près tous les pays de la planète. Et euh, alors on est pas mal sûr qu'en cas de trouble, eh ben, on, on on aurait qui nous qui nous porterait de l'aide. Mais aussi, il faut dire que on a une, une force policière euh, assez bien équipée et qui euh, quand on a eu de besoin, il y a eu des situations où est-ce qu'on a pu envoyer. Et beaucoup d'entre nous étaient prêts à prendre les armes, à vrai dire, pour défendre notre, notre pays. Absolument. On a Claudine Privé qui a fait un commentaire. Moi, ce que j'ai trouvé d'insolite aussi au Costa Rica est le fait qu'il n'y a pas d'adresse. Donc, <laughs> Claudine, merci pour faire le point. C'est justement un des points qu'on avait prévu de discuter, en fait, aujourd'hui. Donc, euh, euh, on va mettre en fait la, la petite bannière à l'écran euh, par rapport par rapport, par rapport, rapport à ça. Maintenant, je me cherche dans mes affaires, je cherche mon petit bonhomme. Bon, là, voilà là, mon petit bonhomme que lui, là, il cherche, il n'y a pas de nom de rue. Donc, souvent, Isabelle, au Costa Rica, on dit qu'il euh, n'y a pas de... Souvent, il n'y a, il a pas de nom de rue. Euh, Parfois, il n'y a, a, a pas de numéro. Parfois, il y a des noms de rue, mais il n'y a pas d'affiche. Donc, euh, c'est un peu le bordel, finalement, cette affaire-là. Oui, bien, en fin de compte, oui, ça complique beaucoup le travail des facteurs. Hein? En plus d'un quart de la, de la poste n'arrive jamais à sa destination finale. C'est pour ça qu'on conseille toujours d'avoir un casier postal au bureau de poste, parce que c'est ça, c'est un peu risqué de, de dire. Euh, à notre adresse à la Costa Ricienne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, euh, bon, dans les grandes villes, les grandes villes ont été tracées sous forme de, de damiers. Hein. Il y a des, des avenues qui vont de l'est à l'ouest et des rues qui vont du nord au sud, mais même à San José, très peu de gens vont savoir. Euh, euh, sur quelle rue ou sur quelle avenue ils sont Alors, on donne les adresses à partir d'un point de référence. Et là, très souvent, des fois, ça se complique parce que, par exemple, euh, dans la région de San Pedro, on donne les références en partant d'un ancien euh, figuier hein, des Liguerons euh, qui n'existe plus. Alors là, ils ont dû en semer un autre parce que les gens disaient ben, « oh, oh, il n'y a même plus là le, le figuier. » C'est que... Et ensuite, on donne l'adresse, donc, 100 mètres au nord et ensuite 25 mètres au sud. Et là, les gens disent, ouais mais 100 mètres, c'est comment? Bien, en fin de compte, le pâté de maison, indépendamment de combien long il est, le pâté de maison, ça va être 100 mètres. Hein? Et puis, l'on se dirige. Mais bon, euh, en fin de compte, ça vous donne, pour tous les, les touristes, ça vous donne une belle opportunité de, de faire un échange culturel spontané avec les... Lorsque vous avez arrêté de demander une, une adresse, il faut dire qu'avec le Waze et les GPS, ça facilite les choses, mais c'est ça, les Costaciens, on dirait, euh, refusent de, de, nommer, de nommer les rues et de mettre des chiffres sur les. En fait, oui. Puis on dit qu'en fait, que les, les noms de rues existent à San José, qui est la capitale, une ville de combien de millions d'habitants, San José? San José elle-même, je ne sais pas combien de, mais dans la région centrale du pays habitent plus de la moitié des 6 millions d'habitants du Costa Rica. Et il y a et environ un dit... million de personnes qui viennent à San José que pour travailler à tous les jours. Alors, euh, c'est quand et, même du... Puis bon. on dit que la, les, les noms de rues existent à San José, la capitale, que seulement depuis 2012, donc c'est quand même oui. récent. Donc, euh, c'est quand même oui. récent. On a Yves Laverdière qui dit Comment fait-on pour prendre un taxi alors pour se rendre à la bonne adresse? Bien, c'est un peu comme Isabelle l'a expliqué, euh, M. Laverdière. Donc, c'est toujours par une référence physique de quelque chose. Donc, oui. souvent, oui. c'est un point connu une, une église, une école, un commerce. Un... Puis, en fait, il y a également, Isabelle aussi, euh, ce qu'on peut dire le, comme le concept, le système des barrios. Donc, euh, le système des barrios, en fait, c'est un mot pour désigner comme euh, dans quartier. le fond un quartier. Un nom de quartier. Donc, euh, donc euh, il va y avoir un nom, un, un nom de quartier, je ne sais pas, moi, la, la Libertad, exemple. Euh, la liberté. Donc, euh, les gens, euh, les locaux, savent que, exemple, euh, le, le quartier de la liberté, ben, c'est entre la première puis la sixième rue, puis euh, la troisième puis la deuxième avenue. Donc, ce genre de contexte-là. Mais moi, j'ai étonné parce qu'au début, ça m'avait vraiment fasciné, ça, puis je trouvais ça assez bizarre de ne pas avoir d'adresse rurale, d'adresse civique. Mais il faut dire, Isabelle, qu'on s'y habitue. Oui, 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 oui. Ça fait, ça fait partie du plaisir de vivre au costa... Des plaisirs de vivre au Costa Rica. Ah. Oui, puis c'est ce qui rend ce pays-là quand même assez. Euh... Assez original puis assez euh, authentique, si on peut dire. Bien, même YouTube a écrit une chanson where the street has no name. Hein? Tu pensais qu'il a été inspiré du Costa? <laughs> Absolument. T'sais. OK, le prochain point, Isabelle, ça va bien nos affaires. Euh, donc, les gens, n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Et puis, oubliez pas, dans euh, plusieurs de ces sujets-là, il y a des liens supplémentaires qui ont été euh, rajoutés, évidemment. Euh, dans le fil descriptif de YouTube. Puis si vous n'êtes pas abonné à Pipito Live sur YouTube, les amis, faites-le. OK? Maintenant, euh, une histoire que moi je trouve aussi fascinante, on parle de la légende de Kurubanda. La légende de Kurubanda. Veux-tu t'avancer un peu sur ce sujet-là, Isabelle? Alors oui, euh, ben, pour ceux qui viennent dans la région du Guanacaste et qui visitent un peu, une des, une des activités immanquables, c'est aller au pied du volcan Rincon de la Vieja. Alors euh, Rincon de la Vieja, ça veut dire le coin de la vieille. Et alors la légende dit que la jeune fille du chef de la tribu Curubandé, Curubanda, est tomber en amour avec le fils, avec un jeune guerrier d'une tribu opposée, et, euh, ce qui a fâché son père. Et, alors, il a fait prendre en otage le jeune guerrier et l'a fait sacrifier euh, dans le, le cratère du volcan. Et donc, euh, Kurubanda, folle de tristesse, a fui vers la montagne et, euh, et par contre, elle a appris à survivre sur la montagne et à utiliser les plantes médicinales et, et les, les bouts volcaniques pour se traiter. Elle a commencé à acquérir, en fin de compte, une grande réputation de guérisseuse jusqu'au jour où elle est devenue vieille. Et alors, on demandait aux gens vers où allez-vous? Et ben ils disaient vers le coin de la vieille, au Rincón de la Vieja. D'accord. Et, et on raconte que l'esprit de Kurubanda vague toujours sur la montagne. Lorsque le vent souffle, on entend ses lamentations, on entend sa voix dans l'eau de la rivière, dans l'eau de la chute. D'autres disent que dans la mort, leur esprit se sont réunis. Et sont devenus des papillons que l'on peut voir encore aujourd'hui lorsqu'on on se balade dans les sentiers du, du Rincón de la Vieja. Quel beau résumé, Isabelle. Bravo et félicitations. En fait, son amoureux, j'avais noté le nom Mixcoac. 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 Oui. Donc, euh, mais je trouve que c'est une belle, c'est une très 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 belle histoire. En fait, si vous allez, euh, bon, en visite sur le volcan Rincon de la Vieja, quand on monte justement pour s'en aller vers les bains thermiques du secteur, du côté du secteur Paillas, Paillas, du volcan Rincon de la Vieja, on arrive à un petit village. En fait, c'est le village de Kurubande, Kurubande. oui. qui effectivement qui existe toujours aujourd'hui. On dit peau de feu, cœur d'eau, Kurubanda. Ah, c'est c'est ce que ça signifie. Ah, je sais pas. Mais non, il y a un petit film de l'université à distance qui a été fait. J'ai pas réussi à le trouver sur internet, malheureusement. Okay. Okay. Euh, J'ai trouvé ça tellement beau. Et je crois que c'est le mentionne sur le, la pancarte du parc en fin de compte. Peau d'eau, cœur, euh, peau de feu. Cardo. Wow, cool. Maintenant, Isabelle, là, on parle un peu de toutes sortes de choses. Donc on parle de géographie, on parle de, 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 de légende, on parle, on parle de nature, tout ça. Puis là, ben, justement, parce que là, on parle de, 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 de kouroubanda qui avait un, elle, en fait, euh, dont un don, euh, elle est devenue comme une guérisseuse avec les plantes médicinales. Donc, on a au-delà de 100 Plante médicinale, on dit juste au Guanacaste, OK? Donc beaucoup sur le volcan Rincon de la Vieja. Puis, en fait, il y a une plante euh, médicinale qui, moi et <laughs> Isabelle, m'a euh, marqué euh, dans ma vie. Euh, il s'agit d'une plante qui s'appelle Arnica. Arnica. OK? Donc, les gens ont peut-être entendu parler de ça un peu. Euh, dans, des fois dans des, des magasins d'alimentation naturelle où ça vient maintenant sous la forme en de... Oui, mm -hmm. tout ça, souvent euh, sous forme de crème, tout ça. Puis, ben moi, en fait, j'ai eu <laughs> l'occasion d'expérimenter, de, euh, en oui, fait, fait, cette plante médicinale-là. Donc, je dois vous raconter, les amis, que, bon, il y a une couple d'années, je faisais beaucoup de vélo. Et puis, bon, une journée, euh, justement, avec euh, avec ma moitié d'orange, <laughs> euh, on est parti faire une balade. Puis, en quittant, euh, ben, en tout cas, j'ai tombé. Et puis, je me suis quand même assez euh, gravement euh, égratigné. Je vais vous montrer la photo pour vous expliquer un peu le contexte de de, 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 de cette chose-là. Euh, je vais juste essayer de la retrouver ici. Donnez-moi une… Une petite seconde. Bon, voici Pépito, OK. Euh, <laughs> euh, suite okay, à sa débarque, comme on dit, uh, OK, en vélo. Donc, vous pouvez voir là, OK, le visage quand même sérieusement graffiné, le bas des yeux, euh, un doigt cassé et mâché comme il faut, peut-être même deux. Euh, et puis une sévère euh, dont fracture gale euh, sous le nez. Euh, J'étais pas mal bien. Euh, J'étais pas mal bien poqué, comme on dit, hein, Isabelle? <laughs> oui, ça faisait dur. <laughs> ça faisait dur, OK? Puis, euh, ben, j'avais quelques, quelques... Bon, là, les amis, pour vous raconter, c'est qu'en en fait, il y a quelqu'un qui travaillait pour nous ici, chez Costour un de nos guides, qui, quand <laughs> il m'a vu comme ça, en arrivant à travailler le matin, elle dit, bon, « hé hey, mon cher plutôt ça n'a pas d'allure, OK? Il faut que je fasse quelque chose pour t'aider. » Donc, lui, en fait, ce qui est parti, est allé dans, 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 dans la région de d'Ortega, puis est revenu en fait avec cette plante médicinale, puis qu'il nous a présentée en disant, c'est de l'arnica pure en feuilles. Et puis, bon, il nous a expliqué à Caroline, qui est infirmière de métier, puis euh, qui est douée pour ce genre de choses-là. Donc, euh, il nous a fait un plan, et puis il m'a expliqué, bon, de faire ce traitement-là, euh, on a transformé ces feuilles-là dans un genre de thé, et puis euh, on appliquait à toutes les demi-heures, tout doucement. OK, avec une petite huile naturelle. Et puis, là, je vais vous montrer, les amis, OK, c'est pas une publicité payée, c'est la vraie, OK? C'est les vrais résultats, OK, de l'effet de l'arnica sur mon corps exactement, OK, quatre jours après. Donc, vous pouvez voir la photo de droite et vous pouvez voir la photo de gauche. OK, Pépito, OK, le, le pendant et l'après. Donc, moi, ça m'a vraiment fasciné de voir que cette plante-là, euh, ou ce, ce thé-là, naturel, euh, appliqué sur la peau de façon très légère, pouvait produire un tel résultat en si peu de temps. Et ici, j'ai mis quatre jours parce que je pense qu'en réalité, dans le fond, cette photo-là a été prise trois jours après. Mais je pense que j'avais écrit trois jours après. Je pense qu'il y a des gens qui ne m'auraient pas cru. Ils m'auraient dit, Pépito! OK, t'es plein de chenotes. Mais en fait, c'est une bonne réflexion de, euh, de ça. Assez incroyable. Oui, en fin de compte, euh, il y a une très grande tradition de, de plantes médicinales euh, au Costa Rica. Et c'est assez incroyable parce que si on parle de l'arnica, à l'origine, c'est une plante qui vient de l'Europe. Hein? Alors, euh, on a des plantes qui ont été apportées par les Européens, on a des plantes qui ont été apportées par les Noirs du côté des Caraïbes, on a des plantes qui étaient déjà utilisées par les Autochtones localement. Et puis euh, c'est ça, c'est une grande, grande tradition. Il faut comprendre que les gens, dans le temps, c'était pas juste une question d'aller à la pharmacie et d'acheter un médicament. Hein, alors, les gens plantaient autour de la maison des plantes qui avaient des propriétés médicinales euh, pour, pour se soigner. Et malheureusement, c'est une tradition qui qui, euh, qui s'est perdue durant un certain temps euh, et qui tranquillement revient à la mode. Faut pas oublier que les médicaments qu'on consomme aujourd'hui sont souvent des substances synthétisées de substances qui à l'origine sont extraits euh, des plantes. Hein? Alors, dans le cas de l'arnica, ben, on l'utilise beaucoup sur les hématomes et ça a aussi, comme tu mentionnes, euh, des qualités de, comme cicatrisant, anti-inflammatoire. Euh, euh, par contre, il euh, faut faire attention et euh, ce n'est pas parce que ça vient d'une plante qui peut pas avoir d'effet secondaire ou si on abuse, si on ne sait pas les, le dosage, ça peut avoir aussi des, euh, des propriétés toxiques. D'accord? Alors, il faut faire attention au moment d'utiliser de, de, les plantes médicinales et savoir comment bien les utiliser. Excellent. Bon, ben, très bien. En tout cas, euh, les amis, là je tiens à mentionner aussi qu'en en fait, l'arnica, il y a aussi plusieurs espèces d'arnica. Comme tu disais, c'est une plante qui a été éventuellement importé euh, au, au Costa Rica. Mais euh, donc, euh, il y en existe différentes sortes. Donc, encore là, dans les réseaux sociaux ou dans, sur Google, vous allez pouvoir trouver des informations vraiment fascinantes sur ce produit-là. Oui. Moi, en tout cas, Isabelle, je recommande. Okay? Oui, oui, donc, oui. Euh... Ça fait partie de la famille des Asters, hein, qui est une famille très grande à laquelle appartiennent les Marguerites et les pissenlits. Exact. Donc là, on est dans le sujet des plantes, Isabelle. Il y a un sujet ici que moi, je trouve intéressant, qui est très amusant. On a au Costa Rica, je vais te laisser présenter ça, OK? Une plante agave, une plante agave aux oeufs, OK? Bon, J'ai fait une petite illustration ici. On peut voir, bon, la plante avec des oeufs. Puis, bon, avant de sauter même dans le vif du sujet là-dessus, je vais même montrer une photo... Pour te permettre de faire l'explication, Isabelle. Voilà la plante Agave aux œufs, OK. Vue, vue, OK, ici au Costa Rica. Isabelle, parle-nous donc de ça, cette plante-là. Oui, alors, c'était c'était. Lorsqu'on parle de traditions qui malheureusement se perdent. Hein? Euh, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu l'opportunité de voir euh, dans le bout de, de San Miguel de Sarapiki. Et alors, on passait devant cette maison et il y avait euh, effectivement une agave avec des œufs. Alors, on, moi, je faisais toujours la farce de dire bien, si vous demandez qu'est-ce qui vient avant, la poule ou les œufs, bien, c'est les œufs, puis ils viennent d'une plante. Hein. Puis là, on arrêtait, puis les gens, ça surprenait tout le monde de, de voir les œufs de poule. Au bout de, de la gave. Et donc, les gens. Alors, moi, mon mari m'a dit que les gens utilisaient la coquille d'œuf, ça facilitait l'allumage des feux parce qu'il y avait beaucoup de phosphore. La dame qui, qui faisait à San Miguel avec ses œufs, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle les écrasait et elle les mettait comme engrais entre les plantes. Et en faisant un peu de recherche aussi, j'ai vu que c'est possible que les coquilles d'œufs euh, difficultent l'accès aux plantes des limaces. Euh, alors, ça, 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 ça servait non seulement d'engrais, mais ça servait aussi contre les, les limaces. Euh, plus récemment, la coquille d'œuf, euh, il y en a qui aiment la mettre comme supplément alimentaire. Alors on la broie et on peut la mettre dans les smoothies. Il y en a d'autres qui en mettent dans leur vernis à ongles pour durcir euh, les ongles. Euh, il y en a d'autres qui mettent la poudre de coquille d'œuf dans leur savon à vaisselle parce que ça a des propriété abrasive. Hein? Alors, euh, euh, c'est tout des, 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 des découvertes que sûrement les gens, nos grands-parents au Costa Rica, savaient euh, tout, toutes les qualités des coquilles d'œufs. Hein? Il n'y a rien qui se gaspillait et puis euh, et voilà. Malheureusement, je, je l'ai plus vu depuis, mais c'était quelque chose de assez, euh, assez cocasse en fin de compte. Donc, on s'entend que donc les œufs poussent pas sur cette agave là. <laughs> Non, il y, a, il y a une plante qu'on dit la plante à œufs, euh, mais ça n'a rien à voir avec les œufs. Ah, ben bravo. Alors, euh, alors, oui. Non, dans ce cas-ci, l'œuf était, on mettait l'œuf sur la pointe de la gave pour qu'il sèche bien, pour qu'il sèche bien et puis qu'il soit plus facile à, à être broyé en fin de compte. Mm -hmm. Donc, très, très bon résumé, Isabelle. Donc, ici, bon, là, c'est la, la gave aux oeufs. Ici, j'ai montré une photo, en fait, euh, si vous faites plantes aux oeufs, en fait, euh, bon, sur Internet, vous allez retrouver des, 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 ce genre de plantes-là qui, en fait, sont des aubergines. Mais euh, c'est à s'y si méprendre comme ça pourrait être des oeufs, Isabelle. oui. oui. Oui, mais ben, ça, on peut a... peut-être commencer la, la tradition. là, S'il y en a qui ont des agaves, là, euh, jetez pas vos œufs. Ben oui, ben en fait, puis tu sais, dans le temps de Pau, qu'on pourrait même les peinturer. Ben oui. Oui, oui, oui. On va <laughs> okay. partir nouvelle tradition. Exactement. Donc, Isabelle, on change de sujet. Le Costa Rica, zone bleue, OK? Euh, zone bleue de la planète. Donc, ça, c'est quelque chose, moi, je le trouve de très, très. Très important et très fascinant également. Oui, euh, oui, en fin de compte, il y a environ, je crois que c'est cinq zones bleues sur la planète. Et donc, euh, on a découvert, hein, je crois que c'est euh, un reportage un scientifique de National Geographic qui avait fait un programme à un moment donné ou qui avait fait un article. Et donc, c'est des régions où les gens euh, dépassent. Il y a une, Bonne, un bon groupe de la population qui dépasse les 100 ans hein, alors euh, euh, c'est assez particulier et, et dans le cas du Costa Rica, ben dans, dans le cas de tous les toutes les zones bleues euh, euh, on associe euh, cette longévité euh, mm -hmm. à la qualité de la nourriture à, à le fait que les gens sont très actifs hein, qui qui marchent partout où ils vont, sont très, très actifs. Euh, ils ont une vie euh, spirituelle, une foi. Euh, ils ont des propos de vie euh, et euh, ils ont euh, de, de l'appui de leur famille. Euh, oui, alors la, la, la nourriture basée de plantes, de d'haricots, de maïs dans le cas du, du Costa Rica. Euh, alors, euh, et ça, ça donne, qu'est-ce que ça donne? Même qu'il y a beaucoup de, en, en parlant de ça, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici euh, euh, passer du temps et disent que juste venir vivre ici, la, la nourriture qu'ils mangent et tout, contribue à améliorer leur, leur qualité de vie. Absolument. Donc là, parlant de ce sujet-là, en fait, donc on va présenter, disons, un fait insolite dans un fait insolite parce que bon parlant donc la région du Nicoya, c'est la région euh disons, reconnue du Costa Rica comme étant cette euh, fameuse zone, zone bleue là bleue. à travers le monde, mais il y a de la longévité partout à travers le Costa Rica. Puis en fait, on a on avait un personnage assez marquant de l'histoire au Costa Rica, un personnage qu'on appelait Chepito qui est décédé euh, malheureusement il n'y a pas tellement longtemps maintenant. Je vais vous montrer euh, la photo de ce monsieur euh, à l'écran qui vient de, de décéder il n'y a pas tellement longtemps, qui avait en fait 121 ans et deux mois. OK? 121 ans et deux mois. 121 ans. Et, oui, okay, les et deux mots. Okay. Non, mais moi, je ne peux pas le croire. Puis regardez la photo de ce merveilleux monsieur Chipito. Okay? Euh, un personnage, là, regardez comme il est beau. OK? Euh, <laughs> Chipito José Uriel Delgado, Chipito, qui est né Ok. le 10 mars 1900, qui est décédé le 27 mai 2021. Le 27 mai. 2021. Une histoire absolument, absolument incroyable, Isabelle. Oui, 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 c'est très, très surprenant, mais euh, c'est ça, les Costa se distinguent pour leur joie de vivre, pour leur pura vida, pour... Euh, c'est des gens paisibles, c'est des gens, euh, hein, on le voit les, à tous les jours, euh, hein, le, ils ont le sourire facile et je crois que c'est... Cet esprit fait contribue hein, beaucoup aussi à, à avoir envie de vivre en fin de compte. Hein. On, voit, on voit dans son visage, il n'y a pas l'air d'une personne amère, euh, d'une personne qui, qui se lève du pied gauche à tous les jours. Là, je, pense. <laughs> un, ouais. je pense que même dans ses vieux jours, il, il aimait la vie et, et il le démontrait bien. Il le démontrait je bien. Sais, Chepé, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un diminutif de José. Hein? Et mm -hmm. comme bon Tico, on... Chepito, ça fait plus mignon. Hein? Exact. Je veux fermer sur Chepito en disant qu'en en fait, à 121 ans, en fait, il, euh, il a été, d'après les costariciens, en fait, l'homme ou une des personnes les plus vieilles de la planète. Donc, ce qui s'est produit, c'est que, en fait, Chipito est rentré dans il était dans un, un foyer pour personnes âgées, qui est un phénomène quand même assez rare au Costa Rica. On pourra parler de ça une autre fois, mais il était en fait euh, donc euh, sous la bonne garde de, de religieuses, dans cette résidence pour, pour personnes âgées dans la région d'Escazou. Et puis, en fait, euh, bon, les Costa Riciens disaient qu'il était l'homme le plus vieux de la planète. Et, les, les, les bonnes religieuses, en fait, ont entamé des démarches auprès de Guinness pour le faire reconnaître comme l'homme ou la personne la plus vieille de la planète. Maintenant, euh, les démarches ont, ont cessé, ont cessé à un moment donné parce que pour euh, impliquer Guinness dans un record mondial comme ça, il faut les déplacer sur place. Et ça, ça se fait à vos frais. Donc, ça coûtait quand même des milliers de dollars pour faire venir l'équipe de Guinness pour venir sur place authentifi authentifier tous les papiers, l'âge de Chepito et tout ça. Et les, les, les bonnes religieuses, malheureusement, ayant pas les ressources pour ça, ont abandonné ce projet. Mais au dire des Costariciens, okay, Chepito aurait été la personne la plus vieille de la planète et l'homme le plus vieux de la planète également. Donc, euh, intéressant. Nous avons une charrette à bœuf géante aussi à Sarchi qui a été construite aussi avec l'intention de recevoir le prix Guinness, mais j'imagine que ça n'a pas été possible à cause des mains. Ouais. Isabelle, est-ce qu'il y a de l'arbapus à puce au Costa Rica? il euh, y a des plantes urticantes, il y a de l'ortie définitivement. Euh, l'herbe à puce, la, la même espèce qu'au Canada, je crois que non, je, je n'ai jamais vu. Mais il euh, faut pas prendre de risques. Lorsqu'on est en forêt, on reste sur les sentiers, on ne touche à rien hein, parce que des fois, il peut avoir aider. Oui, Dangers, pas juste, pas juste des dangers comme l'herbe à puce. Exactement. Marie euh, Sbaudreau, OK, bonsoir. Est-ce facile de déménager au Costa Rica pour y vivre, OK, pour les Québécois? Marie, je vais résumer ça très rapidement. Euh, oui et non. Oui, euh, donc c'est possible. Non, ça prend beaucoup de courage et de détermination. C'est la raison. De nos capsules Pépito Live. Donc, abonnez-vous à, à, à Pépito Live euh, donc sur YouTube. Vous allez y retrouver euh, maintenant près de 150 émissions que j'ai produites à date sur le Costa Rica, dont les sujets quoi faire pour déménager au Costa Rica, comment se préparer pour venir vivre au Costa-Rica, comment obtenir une résidence légale pour venir vivre au Costa-Rica. Et nous avons d'autres sujets euh, touchant, euh, disons, ces questions-là. Qui vont nous venir euh, très, 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 très bientôt. Maintenant, le prochain point, Isabelle, OK? L'huile de castor. Quand je, moi j'entends l'huile de castor, là, je, pense, je pense à ma mère, puis je, parle à ma, je pense à ma grand-mère, puis je pense au castor. OK? Enfin, moi, en fait, j'ai toujours pensé que l'huile du castor, ça venait carrément et en, en écrasant un castor, puis en l'écoutant <laughs> comme peau et en versant ça dans la petite bouteille qui est là-bas, <laughs> pour avoir cette huile là, ok, qui a une sorte de bienfait dans le fond là. Non mais tu pensais pas ça, Isabelle, que l'huile du castor, ça venait du castor. Mais moi, n'avais jamais pensé. Mais honnêtement, à chaque fois que je le mentionne durant un tour, les gens disent Ah oh, ouais Mais ben, non, ça vient pas d'un castor. C'est non. C ça vient d'une plante, en fin de compte. Ça vient, vient d'une plante, Isabelle, qui s'appelle quoi le ricin, ricinus communis, le nom latin. Alors, c'est le ricin, on, on le retrouve à peu près partout au Costa Rica, le long des routes, même dans le Guanacaste, c'est assez facile à voir, le, le ricin. C'est une plante qui appartient à la famille des euphorbes. C'est la même famille que le manioc et que les crotons, hein, qui sont des, des plantes ornementales très populaires. Et alors, euh, euh, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que l'huile est, est extraite de la graine euh, et euh, elle a des propriétés toxiques, mais durant l'extraction qui se fait à chaud, eh ben, ça élimine les enzymes qui sont toxiques de l'huile et ça la rend, euh, ça la rend com comestible, entre guillemets, euh, parce que moi, personnellement, je la recommanderais surtout pour euh, utiliser de façon externe. Hein? Euh, si on la prend, ben c'est un, un puissant laxatif. Hein? Si on, moi, je recommanderais plutôt la papaye ou le tamarindo. Euh, c'est un petit peu moins agressif, peut-être, que l'huile de, de castor. Par contre, l'huile de castor, c'est important de mentionner que ça a beaucoup de propriétés. Euh, ça peut être euh, cic cicatrisant. C'est utilisé beaucoup mmh. dans l'industrie des cosmétiques. Euh, et il y a un potentiel avec le ricin pour faire du biodiesel. Euh, et et c'est c'est une option bonne pour le Guanacaste. Hein. Ça pousse dans le Guanacaste. Alors, euh, les endroits qui sont déforestés et tout ça, éventuellement, on pourrait commencer à faire du biodiesel avec euh, le ricin. Absolument. Un petit commentaire de Michel Chaput le fait de ne pas avoir d'armée, y a-t-il plus de criminalité au Costa Rica? Très bonne question, Michel Chaput. Merci pour votre question. Isabelle, commentaire là-dessus sur la criminalité au Costa Rica? Alors, le thème de la criminalité, euh, bon, c'est un peu délicat. On se demande si c'est parce qu'il y en a plus ou si juste parce qu'on en entend plus parler, peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas plus ou moins qu'ailleurs. Euh, en tant que touriste, euh, bon, il euh, faut toujours euh, être euh, attentif. Hein, euh, pas s'endormir dans l'autobus, par exemple, lorsqu'on a mis le, le sac, notre bagage au-dessus de notre tête, ou des petits, des petits détails comme ça. Mais je pense que si vous êtes au métro de Barcelone, vous risquez d'avoir les mêmes problèmes ici, si qu'ici, qu si vous faites pas attention. Euh, et bon. On ne voudrait pas en avoir la criminalité, mais malheureusement, on doit vivre avec. Alors, euh, alors, euh, mais oui, je, je crois que bien. les Costariciens, par leur personnalité, Isabelle, en fait, on dit que le Costa Rica est un des pays les plus sécuritaires d'Amérique centrale. Donc, euh, puis moi je suis bien confortable avec ce commentaire là, donc je pense que c'est un bon endroit où vivre. Donc mais il faut quand même faire des bons choix. Donc euh, faut euh, ça, cela dit. Euh, je pense pas que le Costa Rica, c'est un genre de pays où euh, si vous marchez sur la rue, vous allez carrément vous faire agresser. Mais si vous laissez votre sac avec vos bijoux, puis avec votre tablette, puis avec votre caméra, bien, sur un banc, dans un restaurant, puis vous portez pas attention, ben c'est possible que quelqu'un vienne faire du ménage. Oui, il ouais, y a des y a des prédateurs non seulement dans la forêt, il y a des prédateurs qui qui euh, attendent juste de voir euh, ouais, des affaires mal passées. Mais espérons <laughs> que on sait le gouvernement en ce moment sait que c'est un problème, l'insécurité et puis je pense qu'il y a un effort là, qui va se faire éventuellement euh, pour euh, prendre soin de ça puis les Isabelle, on, se on a dans un paresseux là, dans, dans l'écran qui veut qu'on parle de lui. OK? Donc, le, le paresseux, c'est probablement. En fait, le paresseux maintenant, euh, c'est l'animal symbole du Costa Rica, n'est-ce pas? Depuis tout récemment. Oui, bon, le, le, de le tout dernier membre de, de nos symboles nationaux. Là, avec le cerf de Virginie aussi, ça surprend beaucoup que le cerf de Virginie ait été déclaré animal national. Euh... Oui, donc le paresseux, beaucoup de gens pensent que c'est des euh, que c'est des primates en fin de compte, que c'est des singes. Et non, c'est faux. Ça appartient à la famille des Xenartra, qui est la même famille que le tatou, <coughs> pardon, et que le fourmilier. Et alors, euh, on croit que leurs ancêtres euh, sûrement vivaient sous terre et n'avaient pas besoin d'avoir euh, une très bon, bonne vue. Alors encore aujourd'hui. Euh, euh, les, les, les descendants de ces, de, ces, de ces espèces ont pas une très bonne vue. En fin de compte, ils voient en noir et blanc. Euh, et, euh... <laughs> et alors, euh, ils voient tellement mal qu'il y en a qui ont vu de, des mâles essayer de se battre à un mètre et demi de distance l'un de l'autre. <laughs> <laughs> C'est vrai. Absolument. Donc, mais c'est un animal absolument fascinant. Donc, ce qu'on dit, c'est que ouais, il serait comme un peu, euh, comment on dit ça, colorblind. Euh, oui, c'est ça. C'est une, une mutation génétique qui a à voir avec euh, les cônes, euh, une structure en fin de compte qui est dans l'œil qui permet de voir les couleurs. Et, et le, le paresseux. Le... En fin de compte, je pense qu'on pourrait faire une émission que sur le paresseux parce qu'il y a tout plein de particularités assez intéressantes. On va euh... le faire, Isabelle. On va le faire. <laughs> en fait, parce que juste, juste dans les, les points touchant le paresseux, c'est un animal qui est tellement fascinant, fascinant de par son histoire, de par son comportement, de par de plein de choses. Donc, on va faire une émission à un moment donné sur 10 faits saillants concernant le paresseux. Ça va être intéressant. Donc, ça, c'était l'avant-dernier point, Isabelle. Ça va bien, nos affaires. OK? Maintenant, on change de point et puis on s'en va vers, en fait, là, plus une question géographique. Puis, les amis, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous apporter, en fait, euh, faire un petit voyage vidéo euh, au cerro Chiripo. Au Chiripo. 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 <laughs> oh, Chiripito. <laughs> ok. Le mont Chiripo, en fait, c'est, euh, Isabelle, le plus haut point en altitude au Costa Rica. C'est bien ça? Oui. Oui. Alors, il euh, dépasse les 3820 mètres. Euh, c'est une montagne qui appartient à la cordillère de Talamanca, qui est la plus vieille et la plus haute euh, au Costa Rica. Euh, S'il y en a qui se dirigent vers le sud, en prenant la panaméricaine, vous allez passer par la cordillère de Talamanca, vous allez pa passer par le Cerro de la Muerte, hein, le, Buena, le, le Cerro Buenavista, qui appartient à la même cordillère. Et alors euh, c'est un des c'est une une des destinations le 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 Cerro Chiripo est dans le parc national de du Cerro Chiripo euh, et euh, et donc pour aller visiter ce parc il faut être physiquement très bien préparé faut faire une réservation euh, pour mettre de côté au moins trois jours l'ascension est de 20 kilomètres alors, c'est une marche assez fatigante. Euh, on essaie d'arriver au sommet, au lever du, euh, du soleil. Et si nous, nous sommes chanceux, eh bien, on peut, depuis le sommet du Tiripo, apercevoir euh, euh, l'Atlantique et euh, le Pacifique. Hein? Alors, c'est assez exceptionnel. Et c'est euh, le rêve de, de plusieurs, en fin de compte, de conquérir le... Le Cerro Chiripo. Eh bien oui, puis en fait, euh, c'est une excursion qu'on malheureusement on n'offre pas chez Costour. Mais <laughs> euh, comme tu disais, Isabelle, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est réalisable. Il faut être en bonne forme. Mais c'est un voyage de trois jours. Dans le fond, si je comprends bien, c'est une ascension d'une de, de, journée. Après ça, je pense que c'est comme l'exploration, l'accès. L'arrivée euh, au point culminant, au, au le refuge. 12 500 ouais, pieds. C'est ça, vous pouvez voir la photo d'un groupe-là. Puis la troisième journée, dans le fond, c'est la descente d'une façon très, 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 très sécuritaire. Oui, oui, oui. Puis il y a des guides, c'est très bien contrôlé. Je crois qu'ils ont des, euh, des, euh, des chevaux pour aider à transporter les, les sacs. Euh, C'est très bien organisé, euh, mais il oui, mais faut quand même être en très bonne condition physique. Euh, si, si vous n'avez pas les, la capacité de physique de grimper le Chiripo, déjà sur la route, sur le, le Cerro de la Muerte que je mentionnais, vous arrivez quand même à 3000, euh, 3491 mètres d'altitude. Ou aussi visiter le, le parc national du volcan Irasu, hein, qui sont des sites peut-être un peu plus accessibles pour le commun des mortels. Là. Ah oui. Alors voilà, Isabelle, ça complète pas mal. En fait, on a, on a couvert 13 en faits fait insolites sur le Costa Rica. Il y en a beaucoup d'autres. En fait, il y a tellement de choses intéressantes par rapport au Costa Rica. Des légendes locales, des faits cocasses, des des plantes, des animaux absolument merveilleux. On a vraiment, là, on a juste comme fait là, le point le 0,3% de ce qu'on aurait pu discuter aujourd'hui, Isabelle, mais bon, on ne voulait pas faire une émission qui était pour durer 24 heures. Oui, c'est sûr que non. Isabelle, non, mais merci on beaucoup. vous invite à tous de faire vos, vos découvertes. On découvre de, de, nouvelles, de nouvelles choses à tous les jours ici. Absolument. Donc, euh, Isabelle, encore une fois, merci beaucoup pour ta précieuse participation euh, à l'émission. Ça a été très agréable. Merci beaucoup de partager toutes tes connaissances euh, avec nous. Ça me fait encore, plaisir. Merci de l'invitation. Oui. Encore une fois, bienvenue encore chez Costaud pour la saison et puis euh, bonne et heureuse année et beaucoup de nouvelles découvertes à tout le monde. Et puis, on vous souhaite... De vous voir au Costa Rica très bientôt. On finit, Isabelle, avec un petit vidéo. On fait un petit voyage vidéo. Euh, on fait le trajet vers le mont Chiripo. Chiripo. Bye.